Ceux qui veulent se repentir d'un péché, venez. 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 S'il vous plaît. Venez. Ces filles-là n'ont jamais prophétisé. C'est tout nouveau pour elles. Venez. Dieu dit les cheveux qu'il vous a donnés ne suffisent pas, ne suffisent pas. Venez. On acclame notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Merci Seigneur. Le Seigneur insiste sur le péché. Ils vous ont mis des mèches, qu'ils ont mis des tissages, vous venez ici. Et tout de suite, ceux qui, si chacune vous venez pas à son ici, tour, là, mes sœurs, si chacune pas, à son tour. Vous allez voir votre vie, là. Pour que votre message soit compris, chacune à son tour. C'est ce que la Bible nous dit. Gloire à Dieu. Merci, le message a été compris. Maintenant que la paix de Dieu vous soit accordée, au nom de Jésus-Christ. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'amour. Tout genou fléchira que Jésus. Confessez vos péchés. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Lâche-la. Lâche-la. Voilà. Lâche-la au nom de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Voilà, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-la. Sors! Sors d'elle! Chassez-moi ce démon-là. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle au nom de Jésus. Sors, allez, sors. Frère, patience. Joël, venez chasser ce démon-là. Julien, chassez ce démon-là. Confessez l'impudicité. Confessez la convoitise, le mensonge, la masturbation. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Sors. Allez, sors. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Lâche ma sœur. Adorons Jésus. Viens, jeune homme. Dieu te délivre. Sors. Quitte-le. Monte-le ici, là. Monte-le ici. Allez, lâche-le. Lâche-le. Sors.
Allez, sors. Ce jeune homme est appelé. Où sont ses parents? C'est un évangéliste. Dieu l'appelle pour être évangéliste. Depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a mis à part. Dieu l'appelle David. Qu'il apprenne à jouer un instrument. Qu'il apprenne aussi l'anglais. Parce qu'il va beaucoup voyager pour le Seigneur. L'ennemi veut le récupérer par les amis. Dieu t'appelle. Ce soir, c'était ta convocation ici. Toute ta famille, Dieu a mis sa main dessus. Votre maison va accueillir beaucoup de jeunes, beaucoup de gens. Mon frère, Dieu a mis dans ton cœur l'amour pour les autres. Tu aimes rendre service, tu aimes aider. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est ton Père. Il va essuyer tes larmes. Le Seigneur va vraiment restaurer toute votre famille. Il y aura beaucoup de guérisons dans la famille. Il y aura beaucoup, beaucoup de guérisons. Beaucoup de gens vont se convertir. Des amis, des voisins. Dieu fait de votre maison un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Un lieu de prière. Tous vos enfants sont serviteurs de Dieu. Tous vos enfants, Dieu les a mis à part. Qu'ils viennent tous. Là. Il y a une onction sur eux. Là. Qu'ils viennent tous. Venez tous en tant que famille. Venez. On acclame le Seigneur pour cette famille. Jesus. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Vous avez eu vos Bibles? Ok. Dieu a mis un sceau sur vous. Un sceau. Il va se servir de vous pour toucher beaucoup de personnes. Et je vous vois voyager, vous allez beaucoup voyager en famille aussi pour aller évangéliser de lieu en lieu. Et le Seigneur va vous donner les moyens vraiment pour aller partout, pour aller évangéliser dans toute l'Europe, dans l'Europe de l'Est. Dieu va vous envoyer beaucoup là-bas aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il va vous envoyer beaucoup en Europe de l'Est, dans les pays pauvres, pour aller annoncer l'Évangile. Vous allez prier pour les malades, Dieu va les restaurer. Le Seigneur restaure ta mémoire. Restaure ta mémoire, c'est ce qu'il me dit de te dire. Tu vas beaucoup retenir sa parole. Et le Seigneur va vraiment te surprendre. Ne te minimise pas. Ne laisse personne te minimiser. Le Seigneur vraiment va te surprendre, va t'étonner. Il est un Père. L'amour du Père va tellement inonder ton cœur. Je ne connais pas ta relation avec ton Père, mais le Seigneur va vraiment te révéler le cœur du Père. Il sait combien tu en as besoin. Il sait combien ça a pu manquer. Le Seigneur te dit, tu es mon fils. Et je veux te guérir en profondeur. Tu ne mourras pas, tu vas témoigner de moi partout. Et le Seigneur te dit qu'il fait de toi une mère, même pour des enfants que tu n'as pas eu. Le Seigneur va vraiment te faire adopter comme ça, là, beaucoup de gens comme ça, là, à qui tu vas donner à manger. Tu aimes beaucoup aider, tu aimes beaucoup nourrir les autres. Le Seigneur a donné, tu as vraiment le cœur sur la main, tout ça, là, et rendre service. Le Seigneur te dit, beaucoup de jeunes filles viendront te voir, celles qui sont violées, tu viendras te voir, et tu vas prier pour elles. Et je veux les guérir, je veux les soigner. Ce soir, Dieu vous a confirmé qu'il vous a appelé. Vous avez vu la méchanceté des hommes, vous avez vu la méchanceté des hommes. Le Seigneur vous a vraiment mis à part pour son œuvre. Et aujourd'hui, il vous confirme qu'il va marcher avec vous, qu'il marche avec vous. Toutes les pensées impures que l'ennemi veut vous envoyer, tout ça, le Seigneur les brise afin que vous le serviez au nom de Yeshua. Alléluia, Dieu de gloire, magnifique, magnifique. Soyez fortifiés, soyez encouragés au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Dieu est magnifique. Magnifique. Tu as reçu ton baptême, jeune fille, aujourd'hui? Avant, par immersion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tenons-nous par les mains. Tenez-vous par les mains, tout ça. Là. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Même vous qui êtes au fond là-bas, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là. Même vous qui êtes dans l'autre salle là-bas, en haut. On va aller prier pour vous. Je demande vraiment aux frères qui ont prié tout à l'heure pour les frères et sœurs d'aller prier pour ceux qui sont dans la salle en haut là-bas. Là. On va prier pour les malades là-bas également au nom de Yeshua. Maintenant que nous sommes repentis, que les cœurs sont préparés, le Seigneur nous a beaucoup interpellés par les frères et sœurs qui ont prophétisé, par ces jeunes. Le Seigneur dit à la fin de temps,
dans les derniers jours, il allait répandre son esprit et des jeunes allaient prophétiser. Et on a pu voir ces jeunes filles, ces deux jeunes filles qui n'ont jamais prophétisé, être saisies comme ça par le Seigneur et qui ont prophétisé des choses vraies. Ça nous donne la crainte. Ma prière ce soir, que Dieu donne vraiment qu'il vous guérisse complètement, qu'il vous fortifie et qu'il donne des dons, des diverses grâces aux uns et aux autres. Qu'il donne également des dons de parler en langue, le don de parler en langue à ceux et celles qui ne l'avaient pas reçu. Et je crois que Dieu délie certaines langues ce soir qui n'ont jamais parlé en langue. Maintenant. Voilà, ce sont des parler en langue. Magnifique. C'est beau, hein? Voyez, quand on se repent, comment Dieu bénit. Voilà, des dons de parler en langue tombent comme ça. Le Seigneur dit, Yann, une nouvelle onction est sur toi. L'ennemi croyait te détruire. Mais au contraire, je t'ai suscité. Je t'ai introduit dans cette famille pour amener la délivrance. Tu enseigneras mon peuple. Tu ne peux pas te dérober à cet appel. Je veux toucher ta famille. Je veux toucher tes parents. Je veux toucher toutes ces personnes pour qui tu pries dans ta famille. Je t'aime et je te surprendrai. Voilà le parler en langue que Dieu donne. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Regarde la douleur que tu avais, elle est partie. Elle est partie. Sanctification à partir d'aujourd'hui. La sanctification, la crainte de Dieu. Tu dois demeurer dans ces choses maintenant. Pour pouvoir garder ta délivrance, ta guérison. Ceux qui ont reçu une guérison aujourd'hui, levez les mains. Ceux qui ont reçu une guérison physique, regarde la douleur que tu avais, elle n'est plus là. Viens avec ta sœur. Ouais, viens aussi. Qui a reçu le parler en langue aujourd'hui? Viens. Ceux qui ont reçu le parler en langue, venez. Venez à ma droite. Tu as reçu le parler en langue. Waouh, tu ne parlais pas jamais en langue. Waouh, délivrée et elle a reçu le parler en langue en même temps. Magnifique, magnifique. Magnifique. Waouh. Viens. C'est beau, hein, ce que Dieu fait. Tu as reçu le parler en langue aujourd'hui. Tu n'arrivais pas à parler. Tu as reçu le parler en langue aujourd'hui. Waouh, Jesus. Magnifique. 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 Waouh. C'est pas fini, hein? Tu te rends compte de ce que Dieu fait? Même vous qui êtes au fond, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Non. Waouh. Qui d'autre a reçu le parler en langue? Tu l'as reçu? Viens. Oh. Celle-là aussi, Anne, serait bien de temps à autre de l'encourager. Il y a des choses que Dieu veut faire dans sa vie. Tu as reçu le parler en langue aujourd'hui? Tu ne parlais jamais en langue? Oh Seigneur, merci. Magnifique. Toi, tu voulais le parler en langue? Viens. Vous pensez que Dieu peut lui donner le parler en langue? Oui, bien sûr. Lève tes mains. Jesus. Oh Seigneur. Magnifique. Magnifique. Qui d'autre l'a reçu ici? Venez. Aidez-les. C'est par la sanctification que vous allez garder ce don-là. Tu l'as jamais reçu, tu n'as jamais parlé en langue? Oh Jesus. Magnifique. Tu n'as jamais parlé en langue? Viens. Oh Seigneur, magnifique. 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 Magnifique.
Qui d'autre? Elle là? Amène-la. Oh Seigneur. Dieu t'appelle, toi, tu sais, ma soeur. Hein? Tu parles en langue? Tu veux parler en langue? Hein? Reçois le parler en langue. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Viens, viens. Viens. Wow. Jesus. Magnifique. Magnifique. Ben oui, tu la reçois. Cette grâce. Magnifique. Wow. Magnifique. Magnifique. Au niveau du genou, quelqu'un a été guéri. Touche ton genou, il n'y a plus rien. Fini. Fini, fini. Wow. Magnifique, Seigneur. Magnifique. Magnifique. Dieu est bon. Wow. Magnifique. 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 Le problème des yeux, c'est guéri. C'est fini, tu peux enlever tes lunettes, tu peux lire sans lunettes maintenant. Aidez-la. Comment? C'est quoi? Tu veux accepter Jésus? Tu veux? Je l'ai accepté, j'ai écouté toute sa parole, mais j'ai jamais entendu. Et aujourd'hui, tu veux suivre Jésus? Je me suis, baptisé parce que je l'aimais. J'ai cru avoir enlevé tous mes péchés, mais c'était pas fini. Et non, aujourd'hui, je sais pas. Oh, je veux ça. Oh! Alors, aidez-la, aidez-la. On acclame le Seigneur pour sa vie. Oh. Dieu l'a saisie, elle veut abandonner tous ses péchés, elle veut suivre Jésus-Christ. Les jeunes filles qui veulent abandonner leurs petits copains pour suivre Jésus-Christ, levez les mains. Merci Seigneur. Je crois que on doit avoir un autre programme comme ça, là. Oh, dans pas longtemps là. Ma soeur, viens, ouais toi, viens. Le péché, c'est fini, jeune fille. Hein? C'est fini. C'est fini, hein? Ok, c'est bien. C'est fini, c'est bien. Merci pour ma soeur, Seigneur. Souviens-toi d'elle. Au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. C'est bon, vous pouvez regagner vos places. Merci.